Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment avec La Salle. Bonsoir La Salle, comment vas-tu? Hello, ça va Alors, bien dis-nous La toi? Salle, comment ça s'est passé ta rentrée des classes? Eh bien, très bien, je suis en 6ème 2. Ah, 6ème 2, 6ème 2, c'est pas mal. Ah ouais, toi t'es. What? Sais que c'était un parcours. Wow, je pensais que c'était un parcours pas. Enfin. Ouais, pas Pas là. sur une mouchinade, quoi. Wow, on s'accroche dans les buissons. Ouais, t'as vu, c'est bizarre, ouais. What the fuck? Je m'accroche dans tous les buissons. Ouais, non, non, mais c'est ce que j'étais en train de remarquer et ce que j'allais dire. Pourquoi les buissons Ah, le véhicule il bougent glisse pas, pas, pourquoi? tu sais. Ok. D'ailleurs, La Salle, est-ce que t'as une petite. Oh, punaise, il y avait un petit saut. Une petite anecdote à nous raconter? Sur par exemple une rentrée des classes. Sur une rentrée des classes. Ouais. Ouais, bah une fois je suis rentré comme ça en classe et il n'y avait aucun élève. Ah mais ça. Aucun? Ouais. Ouais. C'est-à-dire. Sur Rambam, il y avait le prof au moins. Non, il n'y avait personne. Et je vérifie ma feuille et c'est écrit que c'est la classe là. Donc je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais dans les couloirs comme ça et je vois qu'il n'y a personne. Et là je me dis, attends, c'est pas possible. Donc je commence à sortir et à aller sous le préau et là je vois une petite fille. Et elle avait du sang partout comme ça et c'était un zombie. Ah ouais. Donc là je me suis dit, attends, c'est pas possible. Est-ce que je suis dans Walking Dead? Et en fait, j'étais vraiment dans Walking Dead. D'accord. Et je me suis mis à combattre les zombies et tout. Et au final? Bah, au final, je suis à la saison 10, là, ou 11, je sais plus. Qu'est-ce que tu racontes la salle? Non, par contre, j'ai une petite anecdote à raconter la salle. Ouais. Non, franchement, non. Si t'avais un choix de. Parce que c'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on se pose toujours la question. J'ai toujours voulu te poser la question. Et c'est vrai que c'est un choix difficile. D'ailleurs, dans les commentaires, j'aimerais bien savoir aussi. C'est quoi la meilleure classe? Enfin, là où t'as passé les meilleurs moments. Quelle classe? Bah, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2ème, seconde. terminale. Terminale, pourquoi? Pourquoi? Bah parce que c'est là où t'es le plus grand, donc tu comprends mieux. Enfin, c'est mieux quoi. Juste pour ça? Ben ouais, parce que c'est une autre vie quoi. Celle-là ou quoi tu C'est pécho le pas pareil plus? que le collège où t'es un peu. C'est là où tu pécho le plus, petit malin. Non, mais c'est là où tu te sens bien, quoi. Terminal. En plus de ça, t'étais fort en sport. T'as eu 20 au. Bah, d'ailleurs, la salle, on le rappelle pour les nouveaux, il a eu 20 bacs de sport, 20 bacs de maths. Et c'est ça, et quoi d'autre aussi? Tu t'as eu un bac dans autre part ou non? Non. 20 en français. Je rigole, ça c'est impossible. Bac de français, moi c'était cata. Sûrement pas d'ailleurs. C'était dégueulasse, l'oral en plus. Oh là là, le bac de À français c'est fond. vraiment le pire. En histoire, par contre, j'étais très fort moi. Je kiffais le. Bah, histoire, c'était une de mes matières préférées avec SVT. Et moi, franchement, c'est vrai que quand même la primaire c'est quelque chose aussi. Hein. What? Mais t'as craqué, toi. Non? Tu pouvais te Ah faire ouais. plaisir quand même en primaire, T'es c'était. bizarre, toi. Ah mais la primaire c'était la guerre, c'était le bordel, tu vois. Mais t'es malade, mais vraiment. Qui Non? voudrait retourner en primaire, sérieux? Non mais c'était bien. Mais je veux dire sinon après si j'avais un choix à Par un faire, collégien, je vois je pas. pense que ce serait. Parce que moi le problème de la terminale c'est que la plupart de mes potes, ils sont tous partis dans d'autres lycées, tu vois. Mais il n'y avait pas besoin de potes, tranquille. Et d'ailleurs, ma petite dédicace à Sabaton. D'ailleurs, Sabaton qui est devenu prof, la salle. Un pote à moi qui est devenu prof, bah, c'était un de mes. De, avec qui je traînais le plus, quoi. En terminale. Et non, franchement, moi je pense que c'est la seconde. Ouais. La seconde, j'ai vraiment bien rigolé. Parce que j'étais avec pas mal de monde que je connaissais. Tu vois, j'étais avec Père Loulou. Le Père Loulou. J'étais avec qui d'autre? J'étais avec. Père Ben Ben, Amine Ben Ben, et
Wow, j'ai failli tomber. Hein. Et franchement, c'était le meilleur parce que c'est là où j'ai vraiment le plus rigolé. Mais où je faisais le plus le bordel aussi, tu vois. Ah ouais. Mais après, je me suis calmé parce que c'était inutile, quoi, de faire le bordel, tout ça, quoi. For sure. Je me suis calmé. Et après, je me suis remis bien. Et première, j'étais plus avec personne que je connaissais. Et voilà, quoi. Alors, par contre, je crois que t'es en train d'avancer. Ouais, bah le parcours, il est spécial, hein. Ah, il est stylé, par contre. Hein. Ouais. Il est vachement stylé. D'ailleurs, bah, c'est un parcours de la semaine, mais je crois qu'il reste 2 semaines. Donc, il faudrait peut-être faire parcours des 2 semaines, tu vois. Renommer le parcours. Oh, il y a un ralentisseur. Il est vachement stylé, en plus, il est coloré et tout, les gars. Et franchement, c'est un parcours qui passe bien, je pense que vous. Comme nous, comme vous, comme pour le coup. Par contre, j'arrive pas à te rattraper. Hein. Tu fais aucune erreur, je vois. Si, quand même. Ah ouais? Ah bah moi j'ai fait une erreur. Aïe aïe aïe. J'ai voulu me précipiter pour te rattraper, mais ah, malheureusement, je suis tombé. Ok. Faut que je fasse simple. Ah bah t'es tombé, je vois. Effectivement. C'est-à-dire que là, si je n'avais pas fait cette erreur, eh bien, j'aurais pu te rattraper là, ça. Ok, tout doux, les gars. On va pas se fail une deuxième fois, parce qu'on est à la fin. Ok, en tout cas, franchement, il passe bien hein, en parcours. Hein. C'est la deuxième fois qu'on fait un parcours avec ce véhicule. Je vois que la salle, il avance plutôt bien. T'es plutôt serein, toi, en fait. Hein. Serein, c'est hard. Hein. Ça va. Ça, les gars, on a tellement l'habitude de passer ces trucs fins là que je vais tomber. Ah non, c'est C'est bon, j'ai fini, Anune, je t'attends. Ah bah, je suis là. Ok. Bah, je te vois. I can see you. T'es tombé entre les trous des flèches? Non. Ah non, je t'ai vu tomber du coup. Je savais, putain, je savais plus ou moins ce qu'il fallait faire, quoi. En gros, tu sautais, quoi. T'as pas, parce que toi, la première Okay. fois, t'as pas pris d'élan, ouais. Bah non. Ok. On dit pas que c'est encore le même. Si. Ah bah, c'est bon, je suis passé. Faire quoi, là, ici? Je sais pas, j'ai pas regardé. Waouh! What? C'est faire quoi? J'ai pas de gombrie là, franchement. Peut-être y aller doucement? Ouais, je pense. Ah! Maintenant j'ai compris. Ah. Bah ouais, je t'attends du coup. Non, non, tu peux y aller. En fait, en gros, fallait revenir en arrière. Ouais. Ouais. Ok, eh bien écoutez, parcours plutôt sympathique. Honnêtement les gars, il était vachement stylé ce parcours. J'ai bien aimé. On va de la salle finir. You can see la salle finish de parcours. Eh bien franchement, plutôt sympa. Voilà, si jamais vous voulez faire l'activité, vous tapez juste simplement parcours de la semaine. Et c'est le parcours de la semaine, tout simplement. Voilà.